bonjour tout le monde, c'est Oximos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va essayer de percer le mystère et d'essayer de capturer le monstre de la montagne les amis, qui nous met vraiment à la misère depuis quelques jours. On l'avait vu la dernière fois, il nous avait poursuivi et là maintenant qu'il fait jour il est redevenu tout petit les amis. Donc aujourd'hui le but ça va être de trouver un moyen de le capturer ou un moyen de le neutraliser pendant la nuit, puisqu'il sévit que pendant la nuit. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu les amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous les amis pour vous abonner un maximum. Grosse dédicace à tous ceux qui s'abonnent, c'est totalement gratuit et vous avez juste besoin de vous créer un compte, ça prend 5 minutes, ça prend c'est gratuit aussi. Donc si vous n'avez pas encore de compte n'hésitez pas. Et du coup bah voilà, pouce bleu, la boutique de vêtements n'hésitez pas aussi pour avoir les porte-clés, les t-shirts. Regardez, j'ai mon t-shirt Oximos aujourd'hui les amis, il y a plein de trucs, j'ai ma coque, je sais même plus où elle est ma coque de téléphone, mais bref, du coup j'ai vraiment, il y a plein de produits, il n'y a pas que des t-shirts dans la boutique, donc n'hésitez pas à commander les amis, c'est super important. Il y a le code OXY2022 qui arrive et en plus il y a plein de nouveaux produits là qui arrivent fort, donc voilà, je compte sur vous les potes. Donc voilà, il y a aussi Draco Feroz qui a repris un abonnement Oxy Charbon, donc merci beaucoup à lui Draco Feroz, c'est vraiment le sang de la veine. Et du coup on est parti. Alors j'ai un petit plan les amis, j'aimerais aller voir Dimitri, en plus il a un nouveau labo, il va nous le présenter et du coup il va, je crois que lui il a fait des recherches un petit peu sur tout ce qui est monstre de la montagne, tout ça, donc on va aller le voir les amis et du coup eh ben on va bien voir ce qui va se passer, parce que lui il m'a dit qu'il a fait quelques recherches et il a des petites théories pour à nous mettre sous la dent les amis pour essayer de contrer le monstre, le fameux monstre. Donc on est parti. Hop là, voilà, on y va, tranquille, on se prend pas la tête, et voilà, en plus, regardez, il fait beau, les amis, c'est incroyable. Et d'ailleurs, les amis, j'ai une grosse nouvelle à vous dire, c'est que demain, normalement, si tout se passe bien, eh bien, il y a le premier épisode du roleplay militaire qui sort. Et oui, vous allez voir comment ça va s'emboîter, tout ça, mais le prochain, voilà, tout le monde était déçu que le RP Police se termine, mais vous allez voir, il va pas se terminer en mode, c'est ciao et tout, puisque je vous dis, ça va s'enchaîner sur le roleplay militaire, ça sera incroyable. Et voilà, j'ai hâte que ça sorte, comme ça il y a des nouveaux RP, RP police on n'avait jamais fait avant, RP militaire non plus, et voilà je fais des nouveaux RP et j'espère que bah ça va vous plaire. Donc voici le nouveau laboratoire du docteur Dimitri, il a même un parking et il ressemble pas mal aussi au tribunal puisqu'il s'est inspiré du tribunal qui est juste en face. Et oh, wesh Dimitri, comment ça va mon ref? Oxy, ça va? Ouais, toi t'es venu à pied? Bah oui, je suis venu à pied, pourquoi? Ah ok, je pensais que t'étais venu en voiture, ouais. Ah non. Je t'aurais montré le garage que j'avais fait. Eh, dinguerie, hein, vraiment, je suis trop fier de moi. T'es trop fier? Ah bah c'est vrai. Par contre, il ressemble un petit peu, tu t'es inspiré du tribunal, non? Ah bah pas de police, mais... voilà, après j'ai à refaire la peinture. Peut-être une petite peinture, non, gris. Gris, c'est vrai que ça fait un petit peu trop sobre. Tu peux peut-être ajouter une petite couleur, par exemple, tu sais, les blocs du premier étage, là, tu fais une ligne verte ou un truc comme ça, tu vois. Tu remplaces par juste une petite touche de couleur, quoi. Ouais, t'as raison. T'es pas trop couleur, toi, j'ai l'impression, t'es tout en noir. Oui. Toujours, toi, c'est blanc, noir, gris, c'est tout, hein. Juste les lunettes, quoi. Ouais, mais les lunettes, c'est parce que c'est les verts, tu vois, ils sont comme ça. Ouais. T'as pas... faudrait que j'achète des lunettes grises. Des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil de vue. Alors fais voir. Ah mais t'as un parking souterrain aussi. Bah oui. Ah mais j'avais pas vu. Il est un peu petit mais il est franchement. Bah il est pas très éclairé. Mais si, mais on était déjà allé. On était déjà allé dans une vidéo il y a pas longtemps. Même avec ta voiture qui peut pas. Ah ouais. Carré. Vas-y montre-moi un petit peu. Fais-moi un peu visiter l'intérieur là. Bah, alors, pourquoi t'as fait une terrasse en bas là? T'en as pas fait, t'as pas fait un rooftop? Non, j'ai pas encore eu le temps. Pour l'instant, je vais prendre le soleil là. Je suis fatigué. Ah ouais. Je t'en prie. Oh, ouais, il y a une salle d'attente et tout. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Par contre, c'est de la récupération. Hein. Je m'en voudrais pas. Non, mais t'inquiète. Mais attends, mais on est dans un aéroport ou quoi là? Ils vérifient nos passeports ici? Voilà, là on vérifie le passeport. Hop, la carte d'identité. Et là? Et là on passe. Si t'as pas d'armes. Pip, 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 pip. Oh là. Non, mais tu sais. Bip, bip, bip. Oh merde, oh non, je peux pas rentrer Dimitri. Bon bah ciao hein, vas-y. Oh, bye, ciao. Bye, bye, bye. Salut. Ah oh, mais vraiment, viens. Je suis sûr que des fois il fait exprès de biper juste pour me fouiller. T'es bizarre mec, je suis sûr que ça va être ça hein. Mais attends, regarde là, il y a un petit bouton si tu veux là. Tu peux, bouton pour faire biper. Ouais. Mais je te connais trop bien, je suis sûr que t'as fait exprès. Oui.
Bon, alors là, c'est quoi ça? Une pharmacie, c'est vraiment opération d'urgence. Ah, mais je vois que c'est opération d'urgence, frère. C'est pour, on dirait que c'est fait à l'arrache. Mais là, c'est. Non, mais ça, c'est temporaire, ça. Je l'avais avant, ça. C'est temporaire, d'accord. Et là, il y a un étage carrément. Ah ouais. Bah, il y a plusieurs étages. Hein. Ah ouais. Donc là, il y a une terrasse. C'est un parking. Ah oui, c'est. Ok, non, ça mène au. C'est une entrée. Ok, ok. Vas-y. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Oh là. Oh. Pour l'instant, c'est environ un hôpital. Hein. Bah, tant mieux, ça rassure un petit peu parce que, vu avant ce que c'était. C'est vrai que c'est un petit peu un hôpital. Bon, moi, t'inquiète pas, si un jour je dois me faire soigner, je vais aller à l'autre hôpital. Hein. Je vais pas aller ici. Mais. C'est, bon, bah merci. C'est vraiment un cas de dernier recours que je viens ici, Dimitri. Je te fais pas trop confiance, hein. Tu mais le sais, ça. Mais parce que à chaque fois, tu regardes sur Wikipédia. Je transfuse de coca. Tu quoi? Je transfuse du coca dans les gens. Oh, wow, mais vas-y, c'est bon. Tu fais perfusion de coca. Non, mais laisse tomber. Du peps. Mais je. Oh là là. Je ferai jamais rien ici, moi. Ça, je t'amènerai des gens pour des prises de sang et tout, mais c'est tout, hein. Moi, je mets pas les pieds ici. Ok. Et donc, ouais, c'est toutes les mêmes salles, d'accord. Ouais, pour l'instant, c'est ça, mais pour l'instant, il n'est pas fini. J'ai bêté, il va augmenter en hauteur, surtout le. Ah le ouais laboratoire. Ah, stylé. Ah, mais attends, faut pas que tu fasses la Maze Bank aussi non plus, hein. Pas abusé. Ah, bah si, hein. le mec, il va faire la plus haute tour de la ville. Ok. Et là, il y a le bureau oui, c'est du. C'est un petit bureau. Ah, petit bureau. Ouais, mais vraiment, c'est que de la récup, hein. C'est quoi cette vieille table là? Je sais pas, j'ai trouvé dans un bâtiment là-bas abandonné, je l'ai pris. Mais frère, mais prends un vrai bureau de mafieux, frère. Mais, c'est quoi cette vieille table? Elle est fermée. Ouais, le Ikea, c'est vrai que bah, le Ikea, il a même jamais ouvert. Oh, t'as une vue de ouf sur la gare. Et sur le Sun Mall aussi. Ouais, le Sun Mall moyen, mais la gare, pas mal. Ah, t'as une vue sur ton ancien de labo en ruine. Ça me fend le cœur à chaque fois que je regarde. Ah ouais? Bah t'inquiète, on va enlever les dernières ruines, comme ça on fera un autre truc stylé à la place. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment sympa. Alors, c'est où que tu fais tes recherches? T'as pas de bureau de recherche? Bah, pour l'instant, j'ai pas encore le temps de faire. Il augmente en hauteur et tout le temps, il y aura les accélérateurs de particules et tout, tu connais. Ouais, alors fais pas des trucs qui pourraient faire péter toute la ville. C'est une centrale nucléaire. Non, mais j'y tiens à la ville. Faut pas que tu fasses des trucs chelous qui... Parce que là, en plus, tu t'es installé au centre-ville, donc si tu fais péter un truc, il y a tout le centre-ville qui saute. J'ai pas trop envie. Toi, t'as encore envie, non? Mais non, mais c'est ma ville, quand même. C'est ma ville, quand même, faut pas abuser. Bon, dis-moi, Dimitri, ouais. Du coup, je t'ai confié les recherches, alors t'as fait des trouvailles ou pas sur le monstre? Oui, viens, suis-moi. Vas-y, dis-moi tout. Alors, c'est vous, monsieur. coup... Ouais. Voilà, je me montre. J'ai pas de PC. Bon, c'est pas grave, je vais t'expliquer. Du coup, j'ai fait un petit peu des recherches et je suis venu à la conclusion de regarder des vidéos de Pierre et tout. Et j'ai vu que quand on pétait leur lit, et ben, en fait, c'est la même chose avec nous. Mais quand on pète notre lit, ouais. Ben après, ben, on réapparaît beaucoup plus loin quoi, si on meurt. Et là, tu parles du monstre? Oui, bah ben, le monstre, je pense à la même chose. Il était sur son lit, non? Quand tu l'as vu. Ouais, c'est ça, bah oui, il était sur son lit. Enfin, sur un mini-lit quoi. Bah oui, et du coup, en pensant ça, j'ai fait mes recherches, tu vois. Déjà, c'est pas SCP du tout, bah, du coup, voilà, mais... Ah oui, oui. J'ai regardé tous les livres qui sont là. Ouais. J'ai vu que, bah, en fait, il y a un truc, c'est pas vraiment avec ça, mais en fait, ça expliquait que ce genre de monstre, tu vois, qui pouvait se transformer et tout. Ouais. Et si, en fait, souvent, ils sont sur leur lit. Et en fait, leur lit, ça permet de les régénérer. Ah, c'est leur point de spawn, c'est comme nous, en fait. Voilà, c'est spawn et leur pouvoir, surtout. Si on a plus de lit, et leur pouvoir. Ouh. Exact. D'accord. Donc là, tu penses que si on casse le lit, il pourrait perdre ses pouvoirs? Exactement, c'est ce que je pense. D'accord. Du coup, si par exemple, la nuit, il est géant, je rentre dans son truc, je casse le lit, et ses pouvoirs... Enfin, il va rester bloqué géant ou il va redevenir tout petit? Bah, son pouvoir, c'est devenir... En fait, quand il a un pouvoir, quand il utilise ses pouvoirs, il est grand. D'accord. Du coup, bah, il sera petit, en fait. Ah. Mais du coup, me dis pas qu'il faut juste casser son lit, comme ça, on n'a plus de problème. Bah, en tout cas, moi, c'est une recherche, c'est ça que j'ai trouvé. Mais après, oh. Tu connais, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, quoi. Bah, tu sais quoi, bah, viens, on va attendre la nuit et on va y aller, on va péter son lit. Viens. Non. Bah, pourquoi? Attends, t'es sûr? Tu me racontes des bobards ou tu me racontes un vrai truc, là? Non, pourquoi tu veux pas sûr, y aller? Mais tu vois, voilà. T'as eu peur la dernière fois? Ah mais non, mais la dernière fois, t'étais même pas là en plus.
J'étais même pas là, mais j'ai vu de là. Regarde. T'as vu de là ici, hein. J'ai vu un truc. T'as vu un truc tremblement de terre. Moi, je vais pas. Hein. Ah, oh là là, la trouille. Mais t'as la trouille ou quoi? Non. Bon, tu sais quoi, non, péter un lit, j'ai pas besoin de toi en vrai. Donc ce que je fais, c'est que je vais attendre la nuit et je vais te donner, je vais te dire, bah je vais te dire ce qui se passe, hein, ok. Je te dirai le lendemain matin. Si demain matin t'as pas de nouvelles de moi, c'est que je suis mort. Allez, salut. Ok. Bon les amis, du coup Dimitri ne veut pas aller avec nous, mais a priori c'est vrai que ça paraît logique, mais il suffit juste de péter le lit. Donc c'est vrai que quand on l'a vu la première fois, il était sur le lit, il me semble. Où il était, je crois qu'il était sur le lit, et du coup je pense que c'était le début de la nuit, il s'était pas encore transformé, vous avez vu, après il est sorti et il s'est transformé en géant. Donc ouais, il y a moyen que ça soit ça. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la nuit, et on se retrouve, bah une fois que la nuit tombe, faut pas non plus attendre trop longtemps parce qu'il va devenir géant. Donc voilà, on va attendre un petit peu la tombée de la nuit, et on se retrouve, eh bien, ce soir. Ok les amis, c'est bon, la nuit vient de tomber, j'étais tranquillement en train de regarder la télé. Donc du coup hop, il faut quand même se dépêcher, parce que s'il fait nuit direct, et bah il va directement se mettre en géant et commencer à détruire encore ma maison ou je ne sais quoi d'autre. Juste avant de partir les amis, oubliez pas la boutique de vêtements, n'hésitez pas à y aller les potes. Il y a 22% de réduction avec le code OXY2022, et en plus regardez tous les produits. Voilà, une fois que vous avez commandé, que vous avez reçu le produit, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, et bien je me ferai un plaisir de le mettre ici. Il y a pas mal de photos que j'ai reçues récemment, il faut que je les mette, mais voilà, c'est un petit kiff à chaque fois de recevoir les photos. Donc les amis, j'ai mon bouton pour me mettre en 16 fois plus petit que la normale. Regardez, là je suis en normal et là je suis... Voilà, regardez, je peux même passer sous les roues. Je peux même passer sous les roues de l'avion. Voilà, bah, ma tête racle un petit peu, mais vous avez compris le concept. Et lui, eh ben, il peut devenir vraiment gigantesque. Donc on va se remettre en tout petit. On va essayer de l'attirer dehors pour qu'il redevienne géant. Déjà faut le trouver, parce qu'il était tellement petit quand on l'a vu la première fois, c'était limité un coup de chance qu'on l'ait vu. Et du coup, eh bien, on va voir ça les amis. J'ai vraiment vraiment hâte. Let's go. Let's go, let's go. Alors alors. Non, c'est pas ici, c'est un petit peu plus loin il me semble. Alors, c'est ici. Non, c'est ici je crois. Ouais, voilà, c'est ici. Ok, donc on se met en tout petit, les amis. Hop, hop. Et voilà, go. On rentre à l'intérieur. Let's go, les potes. Et on voit ce qui a changé. J'ai entendu un bruit. Alors, est-ce qu'il est sur son lit? Il est sur son lit. Il est là. Il me lance des flèches. Regardez, il me lance des flèches. Des mini-flèches. Ok, c'est bon, il est direct sur l'attaque. Ouais, il est tout petit. Il commence à grossir comme la dernière fois. Ok, je vais l'attirer dehors. Et il faut péter son lit après, ok. Faut péter son lit les amis. Donc on va lui casser. Allez viens. Viens, viens ici. Viens, viens, viens. Allez go, go, go. On l'attire dehors les amis. On l'attire dehors. Il faut qu'il vienne dehors par contre. Oh là, il est déjà trop grand. Il est déjà trop grand pour lui. Il est un peu con par contre. Ah, il redevient petit pour passer. C'est vrai qu'il est un petit peu bête. Donc voilà les amis. Hop, on l'attire dehors. Waouh, j'ai une chute de ouf. Voilà. Allez, viens, 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 viens. Viens. Allez, allez. Allez, on va se remettre sous le pont. Il va être tellement grand qu'il va avoir du mal à me voir. En plus, je vais me remettre en tout petit. Voilà. Wow, il est énorme, les amis. Il est énorme. Ok, go, go, go. Hop, là, il croit que je suis à ce niveau-là. On va remonter par ce côté-là. Et là, il faut se remettre en tout petit. Voilà. Oh non, mais c'est trop long, tout petit. Je vais essayer de courir. Je vais me transformer en minuscule devant. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ah oh, il m'a même pas vu, mais il est trop bête. Oh, il est trop bête, go 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 go. Go, let's go les potes, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, allez on se remet en tout petit. Il faut être juste au niveau de, voilà ici. Et on se remet en tout petit vite, voilà c'est bon. Les amis, on va re-rentrer. On va re-rentrer dans le lit. Enfin on va re-rentrer dans son truc, let's go. Oh purée, je suis... ça a marché. Ça marche de ouf, attention. Je casse son lit, voilà. Alors on va le regarder maintenant. On va le regarder, ok ok. Alors qu'est-ce... Les amis... Oh, il redevient tout petit. Ouah, il est redevenu minuscule. Il est redevenu minuscule, les amis. What the fuck. Ok, ok. Attendez, on se remet en normal. On se remet en normal. Il est redevenu minuscule là-bas. Ouah. Mais c'était instantané. Mais attendez, ça veut dire que c'est bon, le monstre, on l'a battu. Mais non, ça veut pas dire qu'on l'a battu quand même. Incroyable. Il est où?
Je l'entends. Il lance des flèches encore. Je l'entends lancer des flèches, mais je vois pas du tout où il est. Les amis, il est où encore? Il est à mes pieds. Les amis, on l'entend, on est d'accord. Je l'entends. Mais attendez, mais ça veut dire qu'il est redevenu tellement petit que... Waouh! Ah mais attends, mais je peux pas le voir là, je vais mettre en 1/16. Peut-être que je le verrai. Ah ouais, mais déjà quand 1/16 c'était petit, alors je le voyais pas. Alors là... Là, je le... Je ne le vois pas du tout, les gars. Oh. Ah, le monstre, sale monstre. J'ai trouvé comment t'anéantir, sale merde. Tu sais quoi, je sais pas si tu m'entends, le petit monstre là, le petit Gremlins. Mais bien fait pour toi, t'avais qu'à pas anéantir ma maison, t'avais qu'à pas m'embêter, frère. Allez, je redeviens géant. De toute façon, je te vois même pas, frère. Tu m'atteins même pas avec tes flèches. Allez, c'est ciao. Les amis, ça me fait trop rire. Parce qu'on le voit même en 1/16, on le voit pas. Franchement, c'est vraiment incroyable. Bon, voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas, ça va durer combien de temps cette histoire. Peut-être que j'aurais dû l'enfermer. Bon, c'est pas grave, il est tellement petit que pour réatteindre sa maison, il peut même pas réatteindre sa maison, là. Je sais pas comment il va se débrouiller. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao, ciao.